Il y avait du monde, beaucoup de monde, mercredi soir à Pierrevillers. Il y avait les maires ou leurs représentants des communes de la CCPOM, un député, un sénateur, des conseillers généraux ou régionaux, des présidents de communautés de communes ou d'associations. Bref, toutes les forces vives étaient représentées. Mais pour quelles raisons se sont-ils retrouvés aussi nombreux ? Eh bien à cause, ou plutôt grâce à ce petit livre. Un nouveau venu dans le monde de l'édition, il s'appelle « Le pays Orne-Moselle, patrimoine et art de vivre », édité par Serge Domilly. Il a été officiellement présenté mercredi soir par les élus de la CCPOM à l'initiative de ce projet. Il est important pour une communauté de communes comme la nôtre, qui fait 53 000 habitants et qui est la cinquième de la Moselle, d'avoir un livre qui retrace notre patrimoine, parce que c'est un patrimoine qui est très riche. On a un patrimoine architectural qui remonte effectivement au temps de la religion, et nous sommes ici à Pierrevillers. Derrière moi, il y a l'église et la chapelle des Templiers, donc l'ordre de Malte du XIIIe ou XIVe siècle, suivant les dires des historiens. Et puis, il y a une architecture aussi qui est liée à l'annexion allemande et qui faisait des bâtiments qui étaient effectivement très intéressants d'un point de vue architectural. Et en plus, il y a ce patrimoine sur les villes et villages des côtes et du plateau qui sont très très intéressants au niveau des cités minières et de la mine en général. Donc il était important d'avoir ce marqueur d'identité que représente ce livre. Un marqueur d'identité qui retrace d'une manière concise mais efficace l'histoire d'un pays, ses monuments prestigieux, son patrimoine à la fois architectural et religieux, sa nature et son art de vivre. Un guide touristique qui permettra aux habitants de la CCPOM comme aux visiteurs de trouver leur compte. La communauté l'a tiré à 8000 exemplaires. Et donc il sera mis à disposition dans les communes pour effectivement que les habitants s'approprient bien évidemment leur histoire, leur patrimoine, mais également il sera mis en place pour que des gens qui viennent de l'extérieur puissent consulter notre patrimoine. À force de vivre dans notre cadre de vie, nous ne nous apercevons même plus des richesses que nous avons au niveau architectural, au niveau art religieux et au niveau tout simplement de la richesse de notre architecture. Des textes de Jean-Jacques Sitek, des photos de Pascal Kiakowski et une cartographie réalisée par Michel Lemoigne. Ce guide touristique, bien pratique car au format de poche, rappelle s'il en était encore besoin que les villes de la CCPOM regorgent de petits trésors et d'un potentiel touristique longtemps insoupçonné. Un livre à voir, un livre à lire au gré des balades, un livre disponible dans toutes les mairies de la CCPOM.